l'endroit le plus magnifique d'ici. Des rochers un petit peu à pic. Où en fait c'est l'endroit le plus beau où on est. Et là-bas, vous pouvez apercevoir la croix en haut. La croix de Notre-Dame de la Croix. Et voilà la vue magnifique. Attends, merci de prendre mon temps. Il est rentré ? Ouais. Tiens, c'est qui ? C'est merveilleux qu'on a fait le monde. D'accord, ah, merde. Et pourquoi qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites là en tant que témoin là? Ah, c'est pas grave, c'est ça manque, alors qu'est-ce que vous faites? On est en train de chanter, de répéter. Non, mais faut pas lui dire, sinon le reporter. C'est pas grave, c'est le reporter. Voilà, on le reporter, je te rappelle, c'est celui que je fais. Ah oui, hein. Ah oui, hein. Voilà. Tourne l'écran et dis-le. Je le jure. Moi aussi. Je vais interviewer Joris et Jocelyn. C'est pas la peine. Joris et Jocelyn, vous êtes témoins. Et je voudrais savoir comment vous avez trouvé le lieu et tout ça. Ouais, et la montée est dure ou pas? Oh non, ça va, on arrive ouais. 10 minutes avant les vols, donc c'est cool. Pierre et Thomas, vous avez voulu préparer votre promesse pour ce soir. Donc, est-ce que vous êtes content de la faire ou qu'allez-vous ressentir? Ah, moi je suis content. Très ému, c'est un moment important. Ouais, et comment trouvez-vous le site où nous sommes? Bah, il est... Je vais le faire tout vite, je déconne. Non, beaucoup de nature, c'est très beau, on a une dame qui nous reçoit très bien. Ouais, qui nous regarde avec fierté. Non, elle nous regarde pas, elle est tournée vers le soleil, mais bon. Là c'est des autruches.
Thank you.